Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, puisqu'on se retrouve pour mon top 10 de mes livres préférés de l'année 2023. C'est une vidéo que j'adore faire, puisque ça permet de faire un bilan et de parler des plus gros coups de cœur de l'année. On va donc commencer par la 10e position et on va remonter progressivement jusqu'à la première place de ce classement. Mais dans tous les cas, tous les livres qui seront dans cette vidéo seront des gros coups de cœur, mes livres favoris de l'année. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de me dire en commentaire, vous, quels sont vos plus gros coups de cœur de cette année. Et si parmi cette liste, il y en a certains que vous avez déjà lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année. Et aussi, j'espère que pour vous, tout va bien. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur, puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés il n'y a pas très très longtemps. Ça fait à peu près un an que je fais des vidéos sur YouTube. Et je suis toujours aussi contente de faire des vidéos, de voir vos commentaires à chaque fois, ça me fait très plaisir. Donc vraiment, merci du fond du cœur. On va donc pouvoir commencer à attraper votre boisson chaude. On y va, c'est parti. Et on commence tout de suite à la 10e position avec un livre qui m'a fait plonger au cœur de l'obscurité avec Le Livre de la Nuit qui est écrit par Holly Black aux éditions de Saxus. Dans cette histoire, on va parler de meurtre et de mensonges. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est la tendance qu'a Charlie à se mettre dans des situations inconfortables et dangereuses. Ce qui m'avait beaucoup intriguée dans ce livre, c'est qu'on nous explique que notre ombre peut être volée, puisqu'on se retrouve plongé dans un univers de fantasy adulte qui va nous proposer une enquête mêlant de la magie avec un système lié aux ombres. On va y rencontrer un personnage hors du commun qui est Charlie et qui est une escroc de bas étage qui va être un personnage très atypique. Et Charlie, elle va se retrouver depuis son enfance en plein cœur de réseaux clandestins qui proposent des choses liées à la magie des ombres et qui va travailler pour des crépusculiens qui sont des personnages qui manipulent les ombres grâce à la magie. Et c'est vraiment les petites imperfections de Charlie que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire et aussi tout le système de magie lié aux ombres. C'est une histoire qui est sombre, étrange, avec plein de mystères et on veut toujours savoir ce qui va se passer. On a beaucoup d'adrénaline dans ce livre. Enfin, voilà, si jamais vous aimez les mystères et les enquêtes dans un univers un peu sombre avec de la magie, c'est vraiment un livre qui est génial. On arrive à la 9e position et il faut que je vous parle d'un roman de fantasy pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur puisqu'on va y parler de royauté, de manipulation ou encore de romance et je vous en ai déjà parlé. Il s'agit donc de La Cité des Songes qui est écrit par Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on y découvre un peuple qui se cache dans d'immenses tours royaumes pour fuir les créatures qui semblent rôder sur la terre. On est donc sur un roman de fantasy avec une sorte de romantétie puisqu'il y a un enemies to lover et on va parler de manipulation, de royauté et aussi d'une prophétie dans laquelle il existerait une cité qui permettrait au peuple de se protéger contre toutes les créatures qui peuplent la terre. On y suit deux personnages, il y a Auréa qui est une chasseresse de la tour du printemps et on a Rosarian qui lui est le fils du roi de la tour de givre. Ce qui va se produire dans cette histoire, c'est que Auréa va être propulsée à une place à laquelle elle n'était pas prédestinée puisqu'elle va devoir prendre la place d'une princesse. Et dans mes souvenirs, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que c'est un univers très onirique, fantasy et magique et on y rencontre des créatures fabuleuses et j'étais vraiment émerveillée pendant cette histoire et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. On a de très belles illustrations dans ce livre qui sont réalisées par l'autrice puisque c'est une illustratrice. Donc si jamais vous aimez les histoires de royauté avec de la magie et des créatures un peu farfelues, je pense que ce livre peut vous plaire. À la 8e position, j'ai choisi d'y intégrer une bande dessinée qui m'a fait voyager dans un univers merveilleux. Il s'agit donc de La Boîte à Musique qui est réalisée par JJ et Carbone aux éditions Dupuis. On est donc dans un univers fantastique de littérature jeunesse qui va nous parler de magie mais aussi de deuil et de monde parallèle.
Et lorsque Nola va se retrouver avec cette boîte à musique entre les mains, elle va tout de suite être fascinée par elle puisqu'elle semble y déceler quelque chose d'étrange et elle va miraculeusement être aspirée par cet objet. Elle va donc se retrouver à Pandorian, un univers magique fabuleux mais surtout dangereux. Et depuis que je suis petite, j'adore les univers dans lesquels les personnages se retrouvent happés et arrivent dans un univers parallèle, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet univers, c'est la partie graphique, puisqu'on a vraiment de très beaux dessins à l'intérieur. Et j'aime beaucoup les couleurs aussi. C'est très beau. Mais quand on rentre dans l'univers de Pandorian, on a des créatures assez incroyables avec plein de détails. On a par exemple ce personnage avec plusieurs bras. C'est vraiment un univers qui est magnifique. Si vous aimez être embarqué dans un monde magique avec des créatures fantastiques, lisez cette bande dessinée parce qu'elle est excellente. Et on passe à la 7e position avec un roman totalement épique. Il s'agit donc de La quête d'Ewilan qui est écrit par Pierre Bottero aux éditions Rajo. Vous en avez très certainement entendu parler puisque c'est un livre qui est très reconnu dans la fantasy française. Et il n'y a pas très longtemps, il est sorti dans une édition collector qui est magnifique et qui regroupe toute la trilogie. La quête d'Ewilan, c'est une histoire dans laquelle on va y suivre Camille avec son meilleur ami Salim. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et tous les deux, ils vont être propulsés dans Gwendalavir, qui est une sorte de monde parallèle. On va y rencontrer des créatures complètement démentielles qui vont vouloir s'en prendre à nos deux héros. Et apparemment, Ewilan posséderait un don prodigieux lié au dessin, qui serait une arme fatale dans cet univers. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet univers, c'est qu'on y suit deux personnages qui ont une vie totalement normale et qui, du jour au lendemain, se retrouvent propulsés dans un monde complètement imaginaire, celui de Gwendalavir, et il y a plein de dangers partout. On a aussi un système de magie qui est hors du commun avec le dessin et qui rend cet univers vraiment passionnant. C'est vraiment de l'héroïque fantasy. Donc si vous aimez ça, foncez. Je pense qu'il faut dépasser le premier tome pour vraiment rentrer bien dans l'univers. Mais en tout cas, ce premier tome est passionnant. Et on arrive déjà à la 6e position avec une fantaisie épique encore une fois puisque il s'agit de Eragon qui est écrit par Christopher Paolini aux éditions Bayard. Ce sont les éditions qui sont ressorties récemment avec les petites écailles de dragon et j'ai craqué parce que dernièrement j'ai lu aussi le tome 2 qui est l'aîné et franchement c'était juste génial. Il s'agit d'une épopée dans laquelle on va y suivre Eragon, qui est un jeune garçon qui va souvent se balader dans la montagne en pleine forêt. Et un jour, il va découvrir une pierre bleue. Il va s'en emparer et va découvrir par la suite qu'il ne s'agit pas d'une simple pierre, mais d'un œuf de dragon. Eragon va donc partir à l'aventure en Alagésia accompagné de sa dragonne et de Brom, un vieux conteur. Et ils vont devoir affronter les forces du mal envoyées par le roi. Si j'ai autant aimé cette saga, c'est parce qu'on y parle de nains, d'elfes ou encore de dragons dans un univers politique complexe avec des guerres. Et il y a vraiment une petite ambiance Seigneur des Anneaux dans ce livre. On a l'impression d'être en terre du milieu. Vraiment, c'est super bien écrit pour de la jeunesse. J'ai été bluffée. Donc voilà, si vous voulez retrouver un univers qui vous rappelle un petit peu le Seigneur des Anneaux, je pense que Eragon, ça peut vraiment beaucoup vous plaire. On arrive maintenant à la moitié de ce top 10 et cette fois-ci, j'ai choisi d'y mettre un livre très cosy que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit en fait d'un manga qui est Flying Witch et qui est écrit par Chihiro Ichizuka aux éditions Nobi Nobi. C'est un manga qui est très réconfortant dans lequel on y suit une sorcière. On va donc parler de magie, d'apprentissage ou encore d'amitié. Et on va y suivre Makoto qui va partir de Tokyo pour aller dans le nord-est du Japon où elle va se retrouver dans un univers avec beaucoup de nature et d'authentique. Et c'est ça que j'ai adoré. Ce qui est ultra cosy dans cet univers, c'est que Makoto arrive dans une campagne où le temps semble s'écouler beaucoup plus doucement puisqu'elle va découvrir les petits plaisirs de la vie. Mais à côté de ça, ça reste une apprentie sorcière qui est étourdie. Donc on a cette part de magie. Et toute cette ambiance de sorcellerie en plein cœur de la campagne, ça me fait penser au Ghibli et je me sens tellement bien dans ce genre d'univers que pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur de découvrir cette série de mangas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est le côté nature au cœur du Japon. Avec tout ce mode de vie paisible, on a des dessins qui sont
très doux, enfin c'est très agréable à découvrir. Donc voilà une série de mangas que je vous conseille si vous aimez la sorcellerie et si vous avez envie d'un petit peu de cosy dans votre vie, c'est vraiment une super série de mangas. À la quatrième position, on passe à un livre qui a reçu le prix Babelio en littérature étrangère et il s'agit donc de Blackwater, écrit par Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. C'est un univers qui mélange du fantastique avec de l'horreur et de l'historique et on est littéralement plongé au cœur de l'Alabama où se produisent des inondations qui vont provoquer des mystères et des choses très troublantes. On va y rencontrer la famille Cascade qui est installée dans la petite ville de Perdido où va se déverser une rivière dans laquelle les flots sombres vont tout ravager et vont faire apparaître mystérieusement un personnage féminin qui s'appelle Elinor et qui va s'immiscer dans la vie de ces personnages. Et ces inondations semblent apporter des éléments surnaturels à la vie à Perdido et cette Elinor va chambouler la vie des Cascade. Et je vous conseille de lire cette saga avec le tome 2 sous la main parce que c'est très addictif. Il y a vraiment quelque chose dans les pages qui donne envie de connaître la suite. La manière dont c'est écrit, c'est ultra captivant. C'est aussi très visuel. À chaque fois que j'imaginais les scènes, ça se passait très clairement dans ma tête. Et je sentais cette atmosphère étrange. Vous savez, quand vous êtes quelque part et vous sentez que vous devez vous méfier de quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. C'est une ambiance très particulière puisque l'auteur arrive à nous amener à nous méfier, à être vraiment dans une sorte d'angoisse sans que pour autant il y ait forcément des choses visuellement accessibles qui nous permettent de comprendre pourquoi on ressent ça. Et c'est ça, je trouve, le point fort de cette série. Donc si jamais vous cherchez une série complètement addictive qui se lit toute seule d'une traite, qui va vous empêcher de dormir et de trouver le sommeil la nuit, foncez avec Blackwater parce qu'elle est parfaite pour ça. Ce qui nous amène en haut du classement avec à la troisième position une bande dessinée dont je vous ai déjà parlé parce que ça a été une révélation pour moi et il s'agit donc de Le Grimoire d'Elfie qui est écrit par Arleston, Alouette et Mini Ludwine aux éditions Draco. J'ai adoré cette bande dessinée puisqu'on y parle de voyage, de magie, de sorcellerie et on y suit des sœurs et on a vraiment cette sensation de voyager et les dessins sont magnifiques. Ces trois sœurs, elles sont devenues orphelines à la suite du décès de leur maman. Et en fait, elles vont partir toutes les trois à l'aventure dans une sorte de bus librairie anglais. Et donc, elles vont voyager de village en village avec cette librairie. Et c'est vraiment ça qui fait le point fort de cette saga, c'est que c'est très cosy et très réconfortant. Les dessins sont vraiment très doux et on n'a qu'une seule envie, c'est d'être à bord de ce bus librairie parce que c'est vraiment très envoûtant. Sauf que ce n'est pas tout, ça pourrait s'arrêter là, le concept serait déjà très intéressant, mais non, puisque Elfie, c'est aussi une sorcière qui détiendrait des pouvoirs de sa maman et qui va devoir alimenter un grimoire, d'où le titre de cette bande dessinée. Et on va voir son parcours de sorcière et il va y avoir des enquêtes à chaque tome de ces bandes dessinées. On y retrouve une enquête différente. On a des dessins qui sont très chaleureux, très coloré et lumineux dans cette bande dessinée. Et on a aussi toute cette part de sorcellerie qui est liée à Elfie. Donc vraiment, si vous cherchez un univers qui peut vous faire voyager et qui parle de sorcellerie, foncez avec cette bande dessinée parce qu'elle est vraiment géniale. On passe maintenant à la deuxième position avec un univers littéraire totalement rocambolesque qui a été un coup de cœur phénoménal. Il s'agit donc de Nevermore qui est écrit par Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman qui est issu de la littérature australienne dans lequel on va parler de mystère, d'aventure, de magie et de pouvoir. Et il s'agit d'une trilogie. Je l'ai dévoré. J'ai eu l'impression de retomber en adolescence quand je lisais Harry Potter. On va y suivre un personnage qui est Morrigan Crow, qui serait né un jour maudit et qui doit mourir le jour de son 11e anniversaire puisqu'elle est accusée de tous les maux, ça peut très bien aller d'une tempête de grêle à une crise cardiaque. Et tout le monde semble se réjouir de cette fin qui approche et elle va être sauvée in extremis par Jupiter North qui va l'emmener dans le royaume de Nevermore, un monde magique dans lequel les meubles changent d'aspect selon leurs humeurs ou encore les animaux parlent, un univers complètement farfelu qui va fortement vous rappeler le chemin de traverse dans Harry Potter.
Et il y a un côté aussi Mary Poppins avec ses parapluies magiques. Il y a un côté très rocambolesque, déjanté, qui sied vraiment parfaitement à cet univers, l'un de mes univers fantasy favoris. Donc je suis très contente de pouvoir vous le présenter et vraiment, si vous cherchez un univers magique qui rappelle Harry Potter, lisez ce livre parce qu'il est incroyable. Ce qui nous amène maintenant à la crème de la crème avec la première position dans laquelle j'ai choisi d'y insérer un livre dont je vous ai déjà parlé. Et il s'agit donc de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cet univers de fantasy, on va parler de sorciers, de magie, de pouvoir, dans une ambiance très automnale qui m'a vraiment beaucoup plu. On va suivre l'histoire de Charlie qui va découvrir que sa grand-mère était une magicienne qui a perdu la mémoire à cause d'un voleur de mémoire qui lui aurait dérobé ses souvenirs et depuis elle a tout oublié, ce qui fait que lui, il va devenir à son tour un apprenti sorcier et il va découvrir progressivement qu'il pourrait sauver sa grand-mère du sort terrible qui lui est réservé. Donc il va partir à l'aventure avec des personnages très attachants. On va avoir ce concept de sorcellerie, d'apprenti magicien, très très envoûtant, dans une ambiance extrêmement cosy, mais avec beaucoup de danger. Il va découvrir de nombreux mystères qui peuplent cet univers avec des éléments très farfelus comme des serpillères enchantées ou encore des tartes piégées. Et c'est vraiment ce côté farfelu qui rappelle beaucoup l'ambiance de Nevermore, mais dans une ambiance assez différente puisque là le système de magie est lié à la végétation et j'ai trouvé ça incroyable. C'est un univers très loufoque et particulier, un peu dans la continuité de Nevermore et de Harry Potter également. Et je pense que c'est pour ça que ces deux livres-là ont été d'énormes coups de cœur. J'ai adoré vous parler de tous ces livres qui m'ont fait voyager au cœur de l'imaginaire cette année. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont vos coups de cœur, ça pourra me donner des petites idées de livres à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt !